Et puis salut tout le monde, c'est Speedy sur Pokémon version Emerald Plus. La dernière fois on avait fait quelques dresseurs, et on a battu Timmy et puis voilà, j'avais presque perdu mon Rakayu, ma bouboule on va l'appeler. Alors on est dans le stade électrique et comment ça va futur maître Speedy? Voltaire, le champion de l'Avandia, utilise des Pokémon de type électrique. Si tu utilises des Pokémon de type eau, il ne fera qu'une bouchée. Et placer des points de passage électrifiés dans l'arène. Allez, allez, vas-y. Bon. Alors pour ce petit combat, on va utiliser Bobolide. Mais je pense pas que je vais lui mettre ça. On va prendre l'objet. Et on va prendre l'objet poussin. Et je vais lui donner vive griffe. Donner. Où est-ce qu'il est vive griffe? Vive griffe. Ah voilà. Voilà, des fois on attaque le premier, alors ça serait bien sur lui. Et puis un objet, on va lui donner peut-être pas ça doux, mais voilà, on a peut-être rien. Alors je pense que je vais utiliser Bouboule, Nina, et puis c'est Léviator, non, peut-être pas. Ces trois Pokémon là, non. Voilà, on va les mettre en dernier. Alors Bouboule va prendre quand même assez d'expérience. Et puis voilà, nous avons déjà un combat double. Alors on va aller le faire, pourquoi pas. Mon charme et les capacités de mes Pokémon font te surprendre. Mon âme électrique va briser toutes les rêves. Tous tes rêves. Mouahaha, ouais. Alors voilà, je vais prendre Nina pour double pied. Et puis je vais utiliser peut-être pas Ampleur pour l'instant, mais Medica et Dynavolt. Bon. Alors un jet de pierre ou un coup. Je vais essayer genre de jet de boue. Je vais essayer lance boue. Hein? Lance boue. Ok, ça attaque sur les deux. Bon, pas très grave. Dynavolt, vive attaque qui ne fait absolument rien. Double pied. Boum. Ah c'est vrai, ça dit pas beaucoup, merde. Toucher deux fois. Utilise patience. Ouh, patience. Ah c'est quoi cette. Ah non. Ah la puissance de. Ah ouais c'est vrai, c'est pas ça, je voulais faire. Merde. Aïe aïe aïe, gros yeux. La patience c'est pas deux tours, je crois que c'est deux tours, oui, avant d'attaquer. La défense. Mais il se concentre et tu vas pas avoir le temps de le faire, malheureusement. Nice. Parce que ça renvoie les attaques en deux, alors. Ouais, vraiment de faire ça. On a gagné 150, 165. Medikita, encore? T'es sérieux, là? Alors, jet de pierre. Morceau, ça fait pas. Double pied, ça ferait bien. Mais j'ai pas envie de laisser Medikita. Ce n'est pas très efficace, je le sais. Morsure. Dynavolt utilise grondement. Après ça, on va se mettre tous contre Dynavolt. Ça va être assez facile. Yoga. Ça augmente ça, attaque. Bon. Mais malheureusement, tu n'auras pas le temps. Et voilà, ça c'est fait. Gros yeux, bon, passe ma défense, mais tu n'auras pas non plus le temps de faire quelque chose, toi, mon petit Dynavolt, parce que ça va pourquoi. J'ai de pierre. Oh, presque, tu as presque survécu. Mais on va faire un double pied. Un pied. Et voilà, fini. Nina a gagné 189, pas pire, et puis Bouboule aussi. Voltorb. Jet de pierre. Tac, et voilà, coup critique, ça lui a fini. Bouboule a gagné 187, niveau 24 pour Bouboule, ce qui est bien pour moi. Nina a gagné 187, niveau 23 pour Nina aussi, c'est quand même bien. Combattant, bon voilà. Je suis surprise de ta puissance. C'était bien, c'était branché, amplifié, survolté, yeah. Yeah, le mec il me savait. Alors on appuie ici. On a un combat ici. Non, ok, je sais pas. Bonjour monsieur. Nous venons. Cette arène est piégée de partout. Marrant, non? Non, c'est pas vraiment, parce que c'est assez facile, voilà. Un combat est lancé par gamin. Sixaton est envoyé, bon. Allons faire un peu d'ampleur. Comme ça. Ah non, je vais pas faire charge. Merde, je me trompe toujours de bouton. Moi, je m'en vais toujours trouver. Je suis toujours trop vite, moi. La défense de boule baisse. Bon, boule charge, boum. Waouh, coup critique. Voilà un coup de charge et l'attaque la plus basique quoi. Puis je finis un Pokémon comme ça. Ah sûr, j'ai 7 niveaux de plus. Gloopy. Bon. Gloopty. Ah lui.
Bon, on va faire ampleur. Gaz toxique. Ouh. Je sais pas si c'est juste des dégâts ça. Ils n'ont pas assez. Ah non, ça me poison. Mais Bouboul utilise ampleur niveau 7. Attaché un peu Bouloupi. Boum. Et voilà. Comme un ben, c'est pas marrant de perdre. Mais moi c'est marrant quand je bagne. Alors sac. Alors antidote. Tac. Ah non, désolé, je suis raté. Enfin, je sais qu'il fallait pas activer un, voilà. Et puis maintenant, nous avons Nina, Poussin. On va changer un peu. Un combat double, j'adore les choses qui brillent. Et puis, j'ai suivi l'entraînement de Voltaire, ça doit être dur. Ça va être dur de me battre, bon, t'inquiète pas. Si j'arrive à te battre, ça veut dire que Voltaire devrait être assez facile aussi. Alors, combat étonnement, Golivier, Lumivolt et Voltor. Ouh. Un Voltor Shiny, waouh. Bon, ça c'est fait. Tu me fais un jet de pierre. Double pied. Ah, ça ne fait rien. Maudit. Faut vraiment que j'ai un double pied. Toucher deux fois, qui n'a rien fait. Lumivolt utilise le parfum. Bon, l'évasion. Qui descend. Bah, l'évasion d'esquive, on va dire. Et puis Voltorb utilise charge. Bon, sur un mauvais Pokémon. Bouboule utilise jet de pierre. Bon, voilà. Tu as pris cher. Alors. J'ai déjà fait flamèche sur lui. Oh, voilà. La griffe qui vient d'activer. La griffe qui vient d'activer, ça qui est bien, comme ça on a attaqué les premiers. Luciole. Luciole. Flamèche sur Voltorb et ça doit le finir. Voilà, le Voltorb Shining vient de tomber. Tu magnétite envoyé. Bon. Bérip. Jet de pierre. Non. Jet de pierre sur lui et flamèche sur Luciole. Et voilà encore la griffe qui vient de s'activer. Ça n'a pas fait grand chose malheureusement. Reflet. L'esquive qui va augmenter, mais je pense pas qu'elle va tenir avec la flammage que je lui ai envoyé maintenant. Tac. Et prêt. Elle a survécu. Magnétisme strident son. Baisse énormément de défense. Oh la défense spéciale. Ah, j'ai de pierre. Attendez. Non. Un double pied. Tu vois, ça fait quoi. Vive attaque. Pas très intéressant. Alors, poussin, tu double pied, boum. Un coup de pied, c'est assez pour finir. Voilà pourquoi je voulais mettre deux double pieds, parce que comme ça, on aura de la chance de la chance. Pas vraiment, mais j'ai de pierre. Parce que je sais que le champion de l'arène utilise des Pokémon électriques. 265 et 265. Oh, mes yeux sont trop fatigués. Je suis à plat. Bon, merci. 1500. Alors, le voilà contre le... Alors, Bouboule qui est assez premier, je vais le mettre premier. Je vais pas mettre d'abord parce que je sais qu'il y a des Pokémon assez hauts, assez élevés. J'ai abandonné l'idée de transformer la ville. J'ai été contraint. Alors je passe mon temps à installer des portes piégées dans mon arène. Oh, mais que fais-tu ici? Comment tu dis que tu as réussi à passer toutes les portes piégées? Mouahahaha. Ça c'est surprenant. Alors vois. Alors moi, Voltaire, le champion d'arène de Lavandia, je vais t'électriser. À part que tu pourras rien faire car je suis un... Que j'envoie mon premier Pokémon Rush alors que tes Pokémon électriques ne peuvent rien faire. Malheureusement, Voltorb est envoyé. Alors déjà pour Voltorb, on va pas commencer à l'attaquer, mais on va plutôt faire un lance-boue. Ceux qui trouvent ça bizarre, non, pas vraiment, parce que je descends l'attaque électrique de tout le monde. Voilà, la puissance d'électricité est affaiblie, voilà, ce qui rentre bien. Et là, on va commencer à attaquer. Chargeur, même si tu charges, tu pourras pas relâcher, parce que malheureusement, je viens de descendre ton attaque. Ah, ça s'augmente pas. Tac, bon. Bouboule, oh voilà, la griffe encore qui vient d'activer.
Et voilà, fini. Je pourrais sortir un autre Pokémon, mais j'ai pas envie de perdre, par chance de perdre. Alors, Magneton est envoyé. Non. Je ne veux pas changer. Il vient de sortir son plus gros jeu déjà. Alors, je vais sortir mon plus gros jeu. Utilise Sonic Boom. 40 de dégâts. Oh, 20 de dégâts. Oui, ça va. Numéro 6. Et... c'est pas si fort que ça, mais j'aurais préféré vraiment un plus gros. Tac. Voilà. Fini. Au revoir, Magneton. Bobble. Il vient de gagner 759. Dynavolt. Non. Puisque tous les Pokémon électriques sont affaiblis pour l'instant. Dynavolt grondement. Bon, bravo. Mais Ampleur va te finir, malheureusement. Ampleur. Niveau 5. Je pense qu'il devrait le tenir. Je pense qu'il va le tenir. Si je suis... si j'ai... ah, il a tenu. Moi, vraiment. Alors. Nous allons pas prendre de chance parce que mon attaque est un peu faible. Mes points de vie sont assez faibles. On va en mettre ça à 58. Comme ça, nous sommes sûrs. Puis vive attaque de 2. Ça m'intéresse pas trop. Alors, on fait jet de pierre. Vive attaque encore. Bon, ça fait rien du tout. 2 points de PV de moins. Jet de pierre qui va finir Dynavolt. Et puis je pense qu'il va lui rester quoi d'autre? Niveau 26. Ah, presque. Electric Spring. Ouh. C'est son dernier Pokémon. Aïe, Magneton, c'est pas son dernier. Oh. Alors, un Electric, malheureusement pour toi, tu vas ne pouvoir rien faire. Car grondement ne sert à rien. Car si je fais Ampleur 6 et plus, tu es déjà mort. Niveau 8. Oh, voilà, t'es fini. Ampleur 8, je pense pas qu'aucun Pokémon électrique ne tient. Malheureusement, il n'a pas tenu. Voilà. Alors, un combat assez facile. 864, niveau 26 pour Bobble. Bobble tente d'attendre Roulade. Ah oui, Roulade, c'est quand même bien. Ça peut être assez bien parce que voilà, de plus en plus puissant, c'est-à-dire 40, 50, 60, 70, 80. Alors, je vais pas enlever Ampleur, je vais pas enlever Jet de Pierre. Mais je vais peut-être enlever... je vais enlever Lance-Boue, voilà, on va enlever Lance-Boue pour l'instant. Et tada, bon, on oublie Lance-Boule, mais on la prend Roulade. Voilà, le Roulade va pas vraiment trop bien me servir. Mais au cas où j'aurais besoin, je vais l'utiliser. Mouhahaha, bon, j'ai perdu. Tu as réussi à me donner des frissons pendant ce badge. Prends ce badge. 1400 Poké-Dollars. Quoi, Bouboule évolue, enfin. Enfin, un autre Pokémon que je connais le nom en anglais, mais pas en français. Ouais, j'ai été introduit, voilà, en anglais. Moi, il s'appelle Graveler. Graveler, mais je pense pas qu'il l'appelle comme ça dans la version française. Alors, comment on l'appelle le... Moi, je l'appelle Bouboule, mais ça passe. En... comment il appelle ça? Votre Bouboule évolue en Gravalanche. Gravalanche. Speedy reçoit le badge Dynamo de la part de Voltaire. Notre 2e. Voilà, c'est quand même assez facile. Avec le badge Dynamo, un Pokémon peut utiliser Éclat Rock hors combat. Et ça le rend même un peu plus rapide. Tu devrais aussi prendre ça. C'est 34, c'est pas l'onde de choc si je me rappelle bien. Ça contient onde de choc, ouais. C'est un PC très fiable qui ne rate jamais. Tu peux compter aussi dessus. Vous avez enregistré le champion de Voltaire, voilà. Bon, c'est beau. Alors on va partir d'ici. Et on va aller recharger le Pokémon. Et puis voilà, alors Voltaire qui a pris quand même pas mal d'XP, on va le laisser un peu au frais, mais on va le dans le placard pour un petit bout de temps. Après on va le réutiliser, ne vous inquiétez pas. Alors, je pense que l'autre côté, on n'est pas monté par en haut, on n'était pas monté par en haut la dernière fois. Ah, deux combats, voilà, ben je... alors je pourrais aller à droite par ici, sur Vergazon, où je pourrais monter pour mon chimé. Oui, peut-être, pourquoi pas, mais je pense que je vais aller de gauche d'abord. J'ai envie d'aller à gauche, oui, j'ai envie d'aller à gauche, malheureusement, voilà, ce qui est quand même pas pire. On avait attrapé nos premiers Pokémon ici, on avait un petit, oh, là tu fais bouger l'air, on bouge ici, ouais, j'ai pas compris ça, mais ok. Alors, est-ce que nos Pokémon sont bien, oui, on va se prendre un petit duel, 2 contre 2, eh, nice, c'est passé. Se concentrer sur la victoire, c'est le secret d'un combat réussi. C'est sympa, hein, se battre tout en regardant les gelouflers. Ouais, oui, c'est le fun. Je ne vous dis pas non plus, mademoiselle. Tu.
Un combat est lancé par Shia et Melina, Medicana et Dojo. Bon. Bon. Un choc mental et une cruelle. Détection, bon. Le choc, le psychique marchera pas, mais je pense que l'autre marchera cruel. Et ça le tue, allez nice, c'est bon, c'est passé. Choc mental, bon, on peut rien faire pour l'instant. Alors choc mental encore et vive attaque. Tac. Et puis ça l'a pas tué. Choc mental, ça devrait le finir, je crois. Et voilà, ça le finit. Ouais. Ouh, ça commence à me donner des frissons ça là, parce que là les resteurs commencent à avoir de plus en plus forts Pokémon et puis là je ne me refonds pas jamais en cas de défaite, je retourne m'entraîner. Oh, c'était très impressionnant, ouais, oui, je sais. Alors on continue, nous avons un petit dresseur ici, laisse-moi te montrer la force que j'ai de mes Pokémon psy. Alors on va aller voir Timmy d'abord, après ça on remontera par mon chimie. Tarsal est envoyé, bon, un petit Tarsal, bon, rapide, papillon, go. Alors, on va faire un choc mental, je pense pas que moi ce qui va le tenir. Ouais, je savais qu'il allait le tenir. Il a rugissement, bon, on va lui faire une onde de... on va faire une onde de folie. Un ultra sombre. Et puis après ça, on va pas le faire en une peau de dodo, parce que ça va rien servir, mais je vais continuer d'attaquer comme ça, s'il se frappe, il va se frapper lui-même. Il se blesse dans sa confusion, allez, il se blesse pas, heureusement. Merde. Attaque augmente. Donc, Pokémon ennemi vous fait ça pour augmenter votre attaque. Alors, ce n'est pas très efficace. Et confus, il s'attaque lui-même, s'il te plaît. Il se blesse, non, pas encore, reflet. Ah, son esquive là, ça commence à être chiant là. Il augmente son attaque, il baisse mon attaque, il augmente son esquive. Et voilà. Papillon, oui, merci beaucoup. Vous avez battu un œil, c'est étonnant. Bah oui. Alors, on va accélérer un peu toutes les choses. Je pense que j'ai pas le droit d'attaquer si je me fous bien, non, j'ai pas le droit de brancher au mental. Et voilà, ça s'est passé. Un rappel, bon. Oh, hein. Hier un scout et maintenant un antonomaniacote. Mais mon amour pour les Pokémon reste intact. C'est quoi ça? C'est quoi ce nom-là? Un antonomaniacote. Genre, j'ai même entendu ce nom-là par là-bas. Un combat est lancé par Etonomaniac. Un Papinox. Ah, Papinox, quoi. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Si ça fait rien, choc mental, on va changer. Ah ben non, ça fait vraiment beaucoup. Ah ouais, t'es sérieux? Ça fait beaucoup, mais ça fait pas grand chose. Tornade, bon. Ouh. Deux attaques super efficaces, moi qui ai la moitié, lui qui m'enlève 14. Bon. Boum, et voilà, c'est fait. Papinox était envoyé au tapis. 547, papier, c'est bien. Papillon, tente d'apprendre Cyclone. Ah ben ça, c'est bien, celui qui vient d'utiliser maintenant Cyclone. Effacer une convenance incroyable. Un cyclone fait une renvoie à devant et met fin au combat. Hein? J'ai pas compris ça, mais ok. Ah là, ça va être chaud. Bah, je pense pas. Et on va t'apprendre cyclone parce qu'il vient de faire cyclone, mais. Un chamillion. Bah oui. Un petit poussin. Ça serait bien de faire un peu de flamme, hein. Enfin, de, voilà, faire un peu. Ouais, une attaque de flamme, un peu plus forte que flammage, ça serait peut-être bien. Un charmillion. Flamèche. Et il a survécu. Ah mais il va pas survivre cette fois-ci. Car il est brûlé, Volvi. Je pense que ça va me faire des dégâts, mais. Je pense qu'on va le tenir. Ouais. Il va me faire des dégâts, mais je pense qu'on va le tenir. Cher million. Et voilà, ça c'est beau. Niveau 23 pour Poussin. Tu viens d'augmenter de niveau. De battu Antomaniac Didier. Mon incompétence elle aussi est toujours intactable. Ah ça se voit mec. Pas encore d'évolution, on est au niveau 23. Je vais mettre Kraken pour l'instant parce que voilà ça va quand même faire. Alors hop, voilà, on vient de déplacer. Qu'en penses-tu, ces fleurs ne sont pas magnifiques? Je les ai toutes plantées moi-même. Ah, il y a une petite balle de ce côté-là.
Une super balle, bon. Une repousse aussi. Bon, alors, encore un petit combat. Tu permets que je fasse tes Pokémon se développent bien? Bah, pas de problème, hein. Je vais écraser les tiennes, comme ça tu vas me dire, bon, mais tes Pokémon sont assez puissants, merci. Alors, je pense qu'elle aussi a ses Pokémon. Oh, Gaulliste. Voilà, c'est des dresseurs, mais genre, c'est pas des dresseurs, mais c'est juste des personnes qui font juste que, voilà, qui cassent un peu les couilles, quoi. Bah, sont tous niveau 11, c'est pas vraiment très intéressant qu'il y ait 11 niveaux pour moi. Alors, juste accélérer pour l'instant. Ah bah, sont tous niveau 11. Je comprends pas pourquoi il met des dresseurs comme ça, qui ont vraiment pas beaucoup de... C'est parce que je fais juste un coup, un hit, voilà, ça sert à rien que je vous montre. Et puis... Oh, ressortir, waouh, oh, c'est un shiny. Je vais le rater. Bon, c'est pas très grave, voilà. Oh, ils grandissent bien, ben voilà, merci. Je suis content d'avoir rencontré un dresseur comme toi. J'espère qu'on se reverra. Voilà, éleveur. C'est des éleveurs comme ça, ils ont vraiment des faibles Pokémon, mais ils ont pas vraiment. Ils ont vraiment pas de Pokémon, de si bons Pokémon que ça. Alors. Ici, y a pas vraiment grand chose à part Timé. Alors, maison de Timé, maison de Timé, maison de Timé. Maison de Sylvie. Ok. Oh, Speedy, Timé est juste à côté, mais avant quelque chose, cet environnement naturel fait des merveilles sur la santé de Timé. C'est Timé. Mais ce n'est pas seulement l'environnement, les Pokémon lui donnent aussi beaucoup d'espoir. Bon, Timmy. Non, mais arrête de bouger. J'ai perdu contre toi, Speedy, mais je ne sens plus déprimé. Maintenant, j'ai un nouveau but dans la vie, avec mon Tarsal. Je vais parcourir les arènes et devenir un grand dresseur. Regarde-moi bien, Speedy, je vais devenir plus fort que toi. Quand ce sera le cas, je te ferai encore une fois plus. Bon. Merci, mais ils sont pas... Ah, désolé. J'ai pas lui parler. Un faible blabla. Une marque qui marche mieux avec les Pokémon faibles. Ouais. Au prix qu'elle vaut... Non, peut-être pas, on va rester 5, voilà. J'en ai 10, j'en ai pas perdu, des super balles, j'en ai 16, une vingtaine c'est assez. J'en avais utilisé de ça, oui, j'ai pas encore utilisé de ça, les révélants, anti-brûlure. Ça sert bien des anti-brûlures, oui. Et anti-gel aussi. On sait jamais, j'en prends toujours 10, des repousses. Bon, peut-être ma 3 plus, voilà, au cas où. Alors voilà, nous sommes arrivés. Tente de combat de Vergazon, bon. Alors il n'y a pas grand chose, alors voilà, nous sommes arrivés à Vergazon, voilà, il y a juste une petite tente et je pense aussi, mon papa va te raconter, dire que ça tient, blablabla. Ah, c'est pas où ce que... Oh, putain, combat. Comment appelle-t-on un homme vivant dans les montagnes? Un homme des montagnes? Alors pourquoi n'appelle-t-on pas un Pokémon vivant? Pourquoi n'appelle-t-on pas un Pokémon vivant dans les montagnes un Pokémon des montagnes? Je sais pas, moi, parce que je pense que les Pokémon sont venus avant toi. Alors, Rakayou, ouh le Rakayou. Un pigeon. Pigeon qui est vraiment pourri, voilà, comme début. Mais on va avec Kraken. Ah, mais Kraken n'a pas encore de merde. J'aurais peut-être pas dû envoyer Kraken. Parce que Kraken n'a pas encore d'attaque. Oh, ça, je trouve assez con. Le Rakayou ennemi utilise pour l'armure. Bon, pas peur. J'aurais vraiment pas. Ah, ça, je trouve con, Kraken. Que Kraken n'apprend pas une attaque d'eau. Alors je pourrais faire envoyer papillon. Bah ouais, pourquoi pas, on va envoyer papillon. J'ai oublié, j'avais vraiment oublié que Kraken avait encore pas pris une attaque d'eau, c'est ça qui est vraiment con. Rakayou, il met tu jettes pierre. Ouh, ok, wow, change, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Peut-être possible. Poussin. Ce n'est pas possible, je pourrais pas le garder. Poussin, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pierre, est-ce que Poussin le tient? Oh oui, ça le tient. Double pied, s'il te plaît. Parce que c'est plus possible, hein. J'ai vu la moitié de la vie perdre, je me suis dit non, c'est plus possible. Allez, on va y aller au chaos. Pigeon a gagné 73, on me tirera à Kaken 73 et Poussin 73. Papillon a gagné, oui, Rakayou va t'en envoyer. Oui, merci, non. Alors Rakayou est encore envoyé niveau 16, bon pas très intéressant, mais quand même un double pied qui le finit assurément. Ouh, deux, ça a pris deux maintenant. Ouais, il faut vraiment que je commence à vous lever mon Pokémon parce que là on traîne un peu, là on traîne contre les dresseurs. Alors, Machoke, non. Toi aussi tu vas te prendre un double pied. Et ça le finit. Merde, ça le finit pas. Putain, il était à un point de vie là. C'est pas possible. Les mecs là, vous pouvez pas me faire ça. Vous pouvez pas me dire qu'il lui reste. On va faire pic-pic. Voilà.
Et KO, 320, s'il vous plaît. Vous avez battu mon Tina Maxime. Mes Pokémon n'ont plus de pouvoir. Bon, merci. Ah, et ces nouveaux Pokémon qu'on peut attraper. Un Chichimeur, niveau 7, bon. Je pense même pas que je peux l'attraper, non, même pas. Avoir la route sans se... J'ai fait tomber mon net, peux-tu m'aider à la trouver? Bah oui, pas de problème. Plus. Alors oui, il y a du monde qui ont galéré, je crois. Ils étaient où exactement? Ah, j'en peux plus, il faut que j'utilise le... La recherche d'objets. Non, pas de réaction, bon, ok. Si je monte ici... Non, pas de réaction, oui, si je monte ici... Pas de réaction... Si je monte ici... Oh, il doit y avoir un objet. Hey, you. Est-ce que parce qu'il pointe par là, trouver des lunettes noires, voilà. J'ai fait tomber un petit peu de lumière, trouver ces lunettes là. Je peux les voir une seconde. Ce sont des lunettes noires. Ce ne sont pas les que je cherche. Peut-être mes lunettes ne sont peut-être pas par ici. Ok, j'ai pas compris si ça va comme nous dire ça. Alors les lunettes noires m'aident. Pour les attaques ténèbres. C'est une seule personne, je pense, qui a des attaques ténèbres, je pense que c'est Nina. Qu'est-ce qu'elle porte déjà? Mouchoir soie, ben, je pense que je vais te la remplacer. Hein. Parpillon, oui, et puis sable doux, ben, on va leur donner un graveleur. Puis vive griffe, on va lui donner à Poussin. Oh, on commence vraiment à... M'intéresse pas. Non, mais c'est beau là, lâchez-moi. Ah, j'ai oublié de prendre... le tombe rush. Je veux dire le casse, ben, celui qui casse les rushs, voilà, j'ai oublié de le prendre, merde. Bon, c'est pas très grave, alors je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas, alors voilà tout le monde, c'est pour cette petite vidéo qui dure quand même assez, qui dure 25 minutes. Alors moi je vous dis à la prochaine, tout le monde, c'était Speedily sur Pokémon version noire, Pokémon version, merde, pourquoi je dis noir, Pokémon version Emerald Plus. N'oubliez pas, en mode Nuzlocke bien sûr, n'oubliez pas de partager et commenter cette vidéo, et moi je vous souhaite une bonne fin de journée.